Bonjour, je m'appelle Christina et je suis infirmière hygiéniste au sein de l'équipe qui s'occupe de la COVID en milieu scolaire à Santé publique Sudbury-District. Vous vous demandez peut-être ce que fait une infirmière hygiéniste en milieu scolaire. Mon rôle consiste à être le point de contact en santé publique pour votre école, à faire ce qu'il faut pour que celle-ci soit protégée contre la COVID. En tant que membre de la grande équipe santé publique, nous pouvons obtenir le soutien d'une foule de professionnels, y compris en promotion de la santé, en santé environnementale et en gestion des cas cliniques et des contacts. Tout cela est canalisé vers notre équipe et mis à contribution pour favoriser la protection des écoles contre la COVID. Chaque école possède sa personne responsable de la COVID. En tant qu'infirmière hygiéniste, je collabore étroitement avec elle pour m'assurer que les mesures appropriées sont en place pour réduire le risque de COVID dans la communauté scolaire. Si un cas de COVID se confirme ou si une éclosion est déclarée dans une école, l'infirmière hygiéniste travaille étroitement avec celle-ci afin d'orienter la marche à suivre. L'infirmière hygiéniste fournit des séances d'information et des occasions de perfectionnement professionnel au conseil scolaire. Elle s'occupe aussi de répondre aux questions et des préoccupations des parents, des élèves, du personnel enseignant et des grands-parents. Ainsi, elle comprend les problèmes et les inquiétudes qui surviennent à l'école. Cela nous permet de prévoir si d'autres renseignements s'imposent, de déterminer des approches qui fonctionnent bien et d'établir si des changements doivent être apportés. À Santé publique Sudbury District, nous vous encourageons à continuer de suivre les 10 principales règles de base à respecter concernant la COVID-19 pour assurer la sécurité dans les écoles. Faites que le dépistage des symptômes de la COVID-19 fasse partie de votre routine quotidienne. Prévoyez un plan B afin de pouvoir faire face aux changements inattendus qui peuvent causer la COVID-19 dans votre école. Tenez-vous au courant, préparez-vous, intervenez, prenez soin de vous et faites preuve de gentillesse. Nous vous encourageons également à communiquer avec Santé publique si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la COVID et des écoles. Santé publique est présent et a pour mission d'assurer votre sécurité et celle de nos écoles et de nos communautés.